d'une nouvelle aventure sur le nouveau Pokémon. Mec, j'ai envie d'arnaquer là, j'ai l'impression que je suis au marché. Moi, je vous propose qu'on aille se faire l'arène là. Ah, mais il est trop fort, Whiskey Crab. Oh là là, j'ai l'impression que le professeur il est dans les embrouilles là. Yo l'équipe, yo tout le monde, c'est Michou, j'espère que vous allez bien. Ça dit quoi les gars? Est-ce que vous êtes en forme? Moi ça va super aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On continue l'aventure Pokémon et oui, et ben c'est parti frérot. Alors les gars, la dernière fois on s'était laissé ici. On avait battu la première arène. Ensuite on devait terminer l'aventure. On devait aller à Vestigion pour la prochaine arène. Sauf que on doit passer par Floraville. Et apparemment il y a un petit truc à faire. Et on pourrait avoir Mew. Vous m'avez tous dit on peut avoir Mew à Floraville. Et on va voir ce qui se passe. Je suis dans le parc éolien. Oh. Il y a quoi comme Pokémon dans ce parc? Oh, Mustéboué frère! Oh merde, par contre, Chimpanfeu, je suis pas sûr que ce soit le bon Pokémon. Attends, mais je te jure, Mustéboué, je vais le capturer, frère. Ah, mais j'ai oublié, j'avais Ponyta aussi, putain, mais c'est vrai. Attends, je suis en train de redécouvrir mes Pokémon. Donc, Chimpanfeu, j'ai mon petit Ponyta, mon petit Luxio, Abra, mon futur Léviator, et mon Machoke. Ok, on va envoyer Luxio, poteau. Les gars, on est d'accord, Mustéboué, on le prend. Jusqu'à maintenant, j'ai raté aucune Pokéball, mec. Let's go! Mais c'est magnifique. Mais mec, je suis le meilleur dresseur. Et mon petit Machoke qui passe au niveau 6. Les données de Mustéboué ont été ajoutées au Pokédex. Ben, je crois que Mustéboué, je vais le mettre dans mon équipe, hein. Du coup, on se retrouve avec Machoke, Mustéboué, Léviator, Abra, Luxio, Chimpanfeu. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais un jour, il faudra faire le choix entre Magikarp et Mustéboué. Je peux pas avoir deux Pokémon haut. Attends, je vais lui parler. Il a l'air intrigué. Si tu étales du miel sur un arbre doux parfum, ça attirera peut-être des Pokémon. Un doux parfum flotte dans l'air. Ah bah tiens. Il y a des Pokémon rares ici ou pas? Oh! Oh, c'est un sang coquille! Mais attends, mais lui, je l'avais en carte Pokémon quand j'étais petit, mais il était bleu, non? J'en sais rien, je vais le capturer. Et c'est dans la boîte! Mais mec, je suis trop fort! J'attrape tous les Pokémon que je veux! Sa couleur et sa silhouette varient selon les régions. Ah! C'est pour ça que moi, je l'avais en carte Pokémon et il était bleu. Oh! Quoi? Let's go! Abra évolue! Oh, ça, j'adore! Je suis carrément fan! Oh, je suis trop content! Félicitations, Abra évolue en Kadabra! Bonjour, j'aimerais faire des échanges, s'il vous plaît. Je vais arnaquer des gens, tu vas voir. Salut! Est-ce que t'as un Kadabra à échanger? Hello! Moi, c'est J1456. Ah, mais... Elle est dans Squid Game, la poteau. Voulez-vous faire un échange? Oui! Échanger. Non. L'autre joueur a décidé d'annuler l'échange. Bah ouais, j'ai pas envie. Oh, Simularbre! Mais attends, mais je m'en fous de ton... Mais je m'en fous de tes Pokémon, là! Bon, elle, elle a pas de Kadabra, je m'en fous. Y a pas quelqu'un d'autre, là? Oh, wesh toi, ça dit quoi? Viens, on fait un échange. Seb, Seb, c'est un français ça. Tiens, je te donne Kadabra. Allez, dis-moi que t'as un autre Kadabra en échange. Et pourquoi pas un Kadabra niveau 30? Moi je dis pas non. Oh! Il est venu pour me narguer. J'échange. Oh! Wesh, il a les deux. Il a annulé. Accepte l'échange. Accepte l'échange. Ça dit quoi, BG? Toi, t'as un Kadabra, toi, c'est sûr. Oh! Il est shiny ou pas? J'ai l'impression qu'il est différent d'habitude. Non, 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 j'accepte pas. Tu veux pas un Kadabra? Attends, il veut vraiment me l'échanger contre Pachirisu? Il a accepté, mec! Attends, mais il est con. Mais frère, Pachirisu, il est dans les hautes herbes, t'es trop con. Il m'a échangé son Whiskycrab contre un Pachirisu, là. Mais hey, gros, c'est trop facile d'arnaquer les gens sur ce jeu. Mais attends, pourtant, il est shiny? Wesh, il est niveau 1. Comment il peut avoir un Pokémon niveau 1? Ah, il l'a eu dans un œuf! En fait, il a juste fait un œuf et il me l'a échangé. Ouais, en vrai, je l'ai pas arnaqué, hein. Oh! Meditica! Wesh, il est rare ce Pokémon, non? Il a accepté? Là, par contre, je pense que je l'ai arnaqué. C'est pas le meilleur Pokémon du monde non plus, mais je sais pas, je l'ai pas encore croisé dans l'aventure. Il est niveau combien? 27! Wesh! C'est mon Pokémon le plus fort! Il est pas rare, il t'a arnaqué. Ah ouais? Vas-y, propose. Furax! Ouais, là, c'est moi qui ai Furax. Si t'as pas Kadabra, je vais être vraiment Furax. Oh! Wesh! Attends, il a dit oui! Kadabra, j'ai dit! Quoi? C'est le coup du siècle! Mais attends, mais c'est même pas Kadabra! C'est Alakazam! Wesh! Alakazam Shiny! Wesh! C'est le coup du siècle! Mais ils sont trop gentils, les Japonais! Il est niveau combien? Attends, mais il est niveau combien? Eh, hey, il est que niveau 18? Hein? Mais Alakazam, il évolue pas au niveau 18. Œuf reçu le 24. Wesh, il a eu un œuf shiny. Ah, il évolue en échangeant. Ah. En fait, il est niveau 16, il évolue en Kadabra. Et dès que tu l'échanges, il évolue direct en fait. En vrai, c'est pas si cheaté que ça. C'est comme si il m'avait échangé un Kadabra shiny. Et du coup, il s'est transformé en Alakazam shiny. Et ouais, je suis un génie. Mais attends, mais j'ai cheaté là. Mais gros, j'ai un shiny. Bah allez, je me casse.
J'ai fait l'affaire du siècle, hein. Oh là 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 là, mais gros, il a trop de flow. Téléporte. Oh, je peux faire téléporte pour me déplacer? Attends, téléporte. Ah mais oui, c'est vrai, téléporte, ça envoie sur le truc pour soigner le... Bah sur le dernier truc pour soigner que je suis allé. Ok, c'est de la frappe ça en vrai. J'avais oublié que je pouvais faire ça. Mec, j'ai un putain d'Alakazam Shiny. Y'a quoi maintenant? Oh, tu veux te battre toi? Tu veux te battre? Je crois que ça va être l'heure de tester mon nouveau Alakazam Shiny. Putain, alors là j'ai fait l'arnaque du siècle. Attaque choc mental. Quoi? Pourquoi ils paraissent? Pourquoi il a pas voulu? Alakazam vous tourne le dos. C'est une blague? Mais attends, mais il m'a donné le pire Pokémon là. Il est niveau trop élevé pour toi. Mais non, mais il est que niveau 18. Il vient d'être échangé donc il t'obéit pas. Jure! Alakazam fait semblant de rien remarquer. Mais c'est un bâtard! Il va même pas m'écouter une seule fois, tu vas dire. Mais va te faire foutre! La vie, tu vas m'écouter maintenant! Choc mental! Voilà! Voilà! C'est ça l'autorité! Attaque-le, je te dis! Voilà, je commence à avoir de l'autorité un petit peu. Bordel. Non mais attendez, parce que en vrai de vrai, il faudrait que tu aies le deuxième badge pour qu'il t'obéisse. Ah ouais? Ok, ok, pas de souci. On va essayer d'avoir le deuxième badge. Oh, c'est l'arène ça. Oh. Attends, est-ce que tous mes Pokémon sont soignés? En vrai les gars, on peut tenter de se faire l'arène, hein. Oh. Ouais, c'est plus une arène là. Mais gros, c'est une pièce Tar Squid Game. Allez Flo, viens te battre. J'ai failli attendre. Je suis Flo, championne d'arène de Vestigion et experte des Pokémon de type plante. Quand je t'ai vu tout à l'heure, j'ai su que tu arriverais jusqu'à moi. Mon intuition s'est avérée exacte. Tu as tout d'un pro. Ce combat s'annonce amusant. En garde. Flo envoie un Seribou. Eh mais en vrai, la grave du Flo, pour de vrai. Genre son short, il ressort avec ses cheveux. C'est trop stylé. Seribou niveau 19. Ok, bah roue de feu, hein, comme d'hab. Bon bah voilà, on les one shot comme d'hab. C'est où la difficulté là? Non mais sérieusement, elle envoie un Tortipousse. Vas-y bah envoie hein. Ok, pas de problème. Tortipousse, ça dégage. Allez le dernier. Normalement le dernier c'est toujours un Pokémon un peu galère à tuer. Roserad. Je vais le one shot. Je te jure que je vais le one shot. Ah niveau 22 je vais peut-être pas le one shot. Elle utilise nœud herbe. C'est quoi ça encore? Eh ça fait mal. Roue de feu. Oh, ça l'a pas one shot, mais presque. Ok, c'est bon. Est-ce que j'ai encore un moyen de m'en sortir? Je ne pense pas, Flo. Mon chimpanzé est beaucoup trop fort. Il a su se défendre. Et voilà, ça devrait être moi le champion de cette arène, je te le dis. Votre équipe a gagné des points d'expérience. Wesh. Tous mes Pokémon, ils ont level up, gros. Incroyable, tu as beaucoup de talent. Mais attends, mais Flo, je l'adore, Flo. Je suis donc fier de te remettre ceci. Let's go, le deuxième badge. Grâce au badge forêt, tu peux utiliser la capacité secrète coupe. Oh, trop bien. Franchement, c'était l'arène la plus rapide du monde, hein. Du coup, les gars, on récupère la bicyclette et on va dans le souterrain pour essayer de capturer des Pokémon rares, là. J'ai des bicyclettes de différentes couleurs. Dis-moi celle que tu veux. Oh, moi, je pense jaune. Wouhou. Mais t'es mal comme elle a du flow, mon vélo. Jaune, comme la décharge d'un Pikachu. Une couleur électrisante. Ma foi, ça te correspond parfaitement. Eh, mais c'est trop stylé, ça fait une accélère. Regarde. Hop, ça accélère et ça part. Oh. T'as quoi, toi? Ah, t'as une bicyclette. Tu sais qu'avec ça, tu peux dévaler la piste cyclable pour rejoindre Unionpolis. C'est génial de pédaler à toute vitesse. Tu devrais essayer. Wouhou. Comment voulez-vous accéder au grand souterrain? Jouer seul. On peut y aller en ligne. Grand souterrain. Donc là, je peux croiser d'autres gens. Mais les gars, le 0 sur 40, faut trouver des topiqueurs. Mais on les trouve où, les topiqueurs? C'est quoi les points bleus sur la map? C'est les joueurs en ligne? Je suis à 10 sur 40. Ah, mais les autres, ils trouvent des ils trouvent des topiqueurs pour moi, frère. Mais tu... Oh, j'ai récolté un, là. Attendez, là, faut que j'en capture un, là. Mais gros, bien sûr que je capture, frère. Cradopo, il évolue pas en un Pokémon de ouf, lui? Attends, j'envoie Luxio. Pokémon de type électrique. Oh non, il va me tuer. Ok, ça va, je suis pas mort. Vas-y, j'envoie loin à la Kazam. Allez, coupe psycho. Dis-moi que ça lui fait mal. Oh merde. Mais en vrai, il a pas l'air rare, il y en a plein. Oh. Mais mec, c'est hyper grand. Coucou. Est-ce qu'on peut faire des échanges? Communiquer. Youhou. Je peux dire, venez ici les copains, j'ai besoin d'aide. Vous êtes prêts ou pas? La zone géante. Oh. Caverne du Python. Oh. Mais voilà qui je veux. Frère, c'est de la frappe atomique. En plus, je pense qu'il va être facile à capturer. Normalement, roue de feu, ça va lui faire mal. Ok, ça lui fait mal, c'est super efficace, let's go. Je refais roue de feu, ah je crois il va me tuer. Ah non, tranche, attends. Il va me tuer, ok, coupe psycho. Normalement, il n'y a pas de coup critique. Du coup, voilà, il meurt pas. Mais il a plus beaucoup de vie.
Il l'utilise contre. Ça va me faire mal, je vais mourir. Je suis pas mort. Pokéball. Putain merde, j'ai que des Pokéballs classiques. Allez poteau. Quoi? Comment ça? Comment ça? En fait, faudrait que j'endorme. Je l'aurai jamais. S'te plaît. S'te plaît, gros, s'te plaît. Oh, 2, 3. Non! Bon, mon Magikarp, il est mort, évidemment. Mais attends, lui, il a attaque berceuse. Putain, mais j'aurais dû envoyer lui depuis le début. Oh merde. Mec, j'ai beaucoup trop de chance. Il dort! Mais hey, aujourd'hui c'est vraiment mon jour de chance. Combien de fois dans cet épisode j'ai eu trop de chance? Quoi? Mais il dort! Mais comment il peut dormir et sortir? Je comprends pas. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, putain. Oh! Des molosses, frère. Des molosses, je capture direct, frère. C'est de la frappe atomique, ce Pokémon. Alors toi, poteau par honte, je vais pas me foirer. Allez, dis-moi que ça lui fait mal, mais pas trop. Mais quand même un peu mal. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce qu'il fallait. C'est super efficace en plus, magnifique. Bon bah j'envoie une Pokéball alors. Oh. Oh. Oh merde. Démolos utilise provoque. Mais c'est bon, tu m'as déjà provoqué, frère. Est-ce que là je vais pouvoir l'endormir? Morsure. Ok, mais du coup là normalement il m'a pas provoqué donc. Oh le bâtard. Mais t'es un bâtard. Allez, rentre dans cette Pokéball. Mais c'est pas possible! Mais putain! Mais j'en ai marre! Essaye de faire une petite attaque. Non, ça va le tuer. Je te jure, une petite attaque, là, ça va le tuer. Allez, s'il te plaît. Ah! Enfin! Yes! Oh là là! Qu'est-ce que c'est beau, putain. L'inclure dans l'équipe. Alors, attendez, maintenant, c'est ça le bail. On le met à la place de qui? Ah, on peut virer Machoke. Parce qu'en soit, Machoke, il fait des attaques de type combat, mais Chimpanfeu, il fait déjà des attaques de type combat. Bon, ça me fait un peu mal au cœur parce qu'il est là dans l'équipe depuis longtemps. Tu dégages. Oh là là, Démolos rejoint l'équipe. Les gars, je pense qu'il va être temps de retourner à la surface. On va soigner nos petits Pokémon. Et on se retrouvera pour un troisième épisode un petit peu plus tard, j'ai envie de vous dire. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir suivi. Bah, j'espère que vous avez kiffé. Plein de gros bisous. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao l'équipe. Moi, vous êtes les boss.